le système européen de relocalisation des réfugiés pourrait bien connaître un nouveau revers. L'Autriche compte demander à l'Union européenne de prolonger l'exemption dont elle bénéficie. Vienne estime en effet avoir déjà rempli sa part du marché en matière d'accueil des demandeurs d'asile. C'est en tout cas l'argument avancé par le chancelier autrichien. Si l'on regarde les récents développements, il est évident que l'Autriche a fait plus que la moyenne. C'est indiscutable. À partir de là, nous pensons qu'il faut vérifier si nous pouvons obtenir une nouvelle exemption ou un délai. L'Autriche a accueilli en 2015 près de 90 000 réfugiés, soit plus d'1% de sa population. Vienne n'a eu alors de cesse d'appeler ses partenaires à prendre leurs responsabilités. Pour sa part, la Commission européenne voit d'un mauvais œil la demande autrichienne, comme l'explique sa porte-parole, Natacha Berthaud. L'Autriche a bénéficié d'une exemption temporaire du processus de relocalisation qui a maintenant expiré, ce qui signifie que l'Autriche doit remplir ses obligations légales relatives aux décisions du Conseil en acceptant les relocalisations. Aucun pays ne peut s'exempter d'une décision du Conseil juridiquement contraignante. Il faudrait alors agir hors des règles, ce qui serait à la fois profondément regrettable et cela ne serait pas sans conséquences. L'Union européenne s'est engagée à relocaliser 160 000 demandeurs d'asile en 2 ans. Mais jusqu'à maintenant, un peu plus de 10 000 réfugiés arrivés en Grèce et plus de 4 000 arrivés en Italie ont bénéficié de ce dispositif qui doit prendre fin au mois de septembre. En matière de politique migratoire, la Commission européenne est aussi inquiète à propos de la situation en Hongrie. Une loi qui autorise la détention systématique des demandeurs d'asile vient d'entrer en vigueur. Les réfugiés seront ainsi regroupés dans 2 camps. Cette nouvelle règle s'ajoute à la construction d'une seconde barrière le long de la frontière avec la Serbie.